Première question, y a-t-il moyen d'avoir un vrai menu à moitié Toxin? En fait, t'as des raccourcis qui te permettent d'aller à un endroit ou à un autre, mais sinon tu passes par là quoi. Y a pas de menu à l'ancienne. Ok, bon. Des gens qui ont regardé le hub des DBZ et qui se sont dit c'est une bonne idée. Ben ouais, c'est ça, c'est un truc qu'ils ont piqué Arc System Works. Je suis pas méga fan, d'autant que Sticker 4 c'est pas hyper maniable, tu sens que c'est fait pour la manette. J'ai du mal à faire les furies sur commande, c'est bizarre parce que en training mode les furies ça passe tout le temps et là bizarrement ça passe pas, mais je suis encore dans la phase où j'apprends toujours à jouer au jeu parce qu'en vrai j'ai pu jouer qu'une demi-heure ce matin et après les serveurs ont planté donc j'apprends toujours à jouer. J'ai un entier, faut que j'utilise. Je dois ça. Ok. Écoute Morgul, dans mon cas, je vais être parfaitement honnête, c'est pas de la chance, c'est un mail envoyé à quelqu'un. Très sincèrement, je vais pas vous raconter d'histoire. Je pense que si j'avais dû être sélectionné comme tout le monde, j'aurais pas eu accès à la vérité. Oh putain, le pari! Merde, pas encore chaud pour les punitions. Ça va venir. Enfin, elle a plus de range que moi, ça c'est un peu dégueulasse. Anti-air, bordel. Et alors, il y a des paris. On va passer les mécaniques en revue si j'arrive à faire un tour dans le training mode. Encore qu'on peut les passer en revue en plein match. Alazob Productions is kindly asking you for a team. Ok, ouais, exactement.
C'était un peu la teneur du mail que j'ai envoyé. Mais oui, il y a un pari. En gros, il y a un pari en faisant moyen point et moyen pied. Il y a un pari qu'on peut maintenir. Donc on a pari infini tant qu'on a de la barre de drive, en fait. Comme je le pensais, ça peut. Salut Sunbeam. Oh! Ok, il faut se méfier de ça. Oh, je suis sûr qu'il y a mieux à faire. Il a l'air de lâcher ce truc. Ah, j'ai pas assez de barres pour faire la level 3. Bah non, évidemment. Ok. J'ai pas par contre... je crois que quand tu te mets sur les bornes pour jouer, c'est pas du classé. J'ai pas encore compris comment on va en classer. Ah d'accord. En fait, c'est la même que dans Street 5, en tout cas à combat. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh putain, j'ai niqué toute ma... Je voulais faire Fury, pourquoi la fille? Ok, ça me va. Je fais attention à la waifu, salut DJPH. Je fais attention à la waifu. Pas de soucis. Pour l'instant, j'apprends avec Chun-Li en plus. C'est pas nécessairement le perso le plus facile à jouer, mais on fera d'autres persos, on fera du Ryu, on fera du... Et là en plus c'est du rematch infini, j'ai l'impression, sur les bornes, ce qui est cool hein, en soi. Hein. Ah, c'est vrai que c'est une balayette, faut que la finisse, je suis con. Ah oh, merde, j'avais pas vu la boule, c'est bien joué ça. Pourquoi? Zuri est un perso de SF4 à la base, oui. Il y a combien de persos jouables dans la bêta actuellement? 8. Ah putain, il y avait mieux à faire. Est-ce que ça marche? Je suis curieux de voir si je peux faire gros point Fury. Ça a pas l'air de marcher. Non, c'est pas Fury. Ok, gros point Fury, ça marche plus visiblement. Je crois que gros point, c'est plus cancellable du tout en fait.
En tout cas pour Chun-Li, hein, pour les autres persos, je sais pas. Mais... Chun-Li dans Street 5, elle était particulièrement forte parce qu'elle a, elle a un des meilleurs gros points du jeu. Et elle pouvait le canceller par V-Trigger ou par Fury. Là, visiblement, je peux pas le canceller par grand-chose. Merde. Gaël vraiment dégueu. Tu veux dire physiquement ou... Physiquement, moi je trouve que sa petite barbe là, c'est pas génial. C'est plus l'effet 3D qui est pas génial. Enfin, c'est plus la modélisation de la barbe qui est pas génial. Oh, putain, nice. Les whiff punish dans ce jeu, ça va être super fort. Oh, ça marche, ah. Ok, par contre, j'essaie d'en tirer comme dans Street 5 et il faut pas. Dans les vieux. Ouais, je trouve qu'il est pas trop mal, hein, Gail. Pourquoi la dame crie cocaïne? Ah, je l'ai entendu. Cocaïne, d'accord. Ah merde, c'est vrai que c'est pas combo ça. Minish counter, ok. Les dégâts de la chope, mais c'est scandaleux. Salut Fratus. Les dégâts de la chope, ils sont flippants quand même. Je pense que j'ai, parce que j'ai mis une chope en counter, en punish. Mais quand même. Ça veut dire que punir à la chope dans ce jeu, ça vaut toujours le coup, quoi. Regardez les dégâts de la chope sur un punish counter, c'est un truc de ouf. Oh! Ah, là j'ai la CA. Est-ce que ça vaut le coup de la faire? Dans quelles conditions je peux la faire, la CA? Pas comme ça. Bon, on va rematch encore une fois, puis on va essayer d'aller jouer contre quelqu'un d'autre. Peut-être qu'on changera de perso aussi après, je sais pas. J'ai envie d'apprendre bien Chun-Li, elle est assez fun à jouer.
si je me prends un coup en stun, c'est automatiquement counter hit, je suppose. Mais non, mais je fais des ventières comme dans Street 5. Oh, je vais arriver à chaque fois maintenant, mais ça coûte cher. Salut Théo de Zombie. Ah ok, ça c'était pas combo, c'est juste qu'il s'est pas baissé. Putain, mais il y a Gaël dans le décor, j'avais pas fait gaffe. Ok, level 3, ça tuera ou pas? Non, ça tue pas. Ça par contre ça tue. Salut Mire la popiette. Possiblement de la blanquette. Alors il y est pas Blanca dans celui-là. Les persos qu'ils ont annoncé le mois dernier là, genre Blanca, Honda et Dalsim sont pas là visiblement. Par contre il y a Kimberly que j'ai pas encore essayé, qu'on essaiera plus tard. Beau, ça. Ok. Ok, un peu perfect Paris les boules de feu. Je croyais qu'on pouvait, on pouvait pas. Il y a plein de gens qui disaient qu'on peut pas. Oh là 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 là! Bon, j'ai raté mon combo juste avant, mais c'est pas grave. Prends un round, tu l'imites direct. Bref, ouais! Allez, va. Ça se déchoppe, je sais pas du tout, mais ça a l'air assez large, hein, la fenêtre de déchoppe. En tout cas, l'animation de déchoppe est assez lente. Donc peut-être que. Mais je sais pas si c'est un indice sur le temps que t'as pour déchopper en vrai. Beaucoup de double touches, c'est énorme le nombre de double touches qu'on fait sur des trucs où t'as pas l'impression que ça devrait double toucher quoi. Wow. Ok, il y avait combo, il y avait combo, il y avait combo. Putain, d'accord. Oh, ça va. Oh, je fais anti-hero light. Oh putain, ça a tué, joli. Il part vite maintenant, Kikoken. Ouais, ouais, ouais. Mais il a toujours, toujours la distance limitée. Plus tu fais une version forte, et plus elle ira vite. Mais moins elle ira loin. Celui-là, typiquement, il fait environ une moitié d'écran. Donc je peux pas vraiment agresser avec. Mais c'est pas très grave. Oh. Aïe, ça va faire mal.
j'ai raté mon anti-air. Ah putain, c'est ce que je visais en plus. C'est moi qui gagne. Non, c'est bon. Ça c'est quand on fait le drive rush en même temps, ça fait cette animation à la Tekken là. Ah merde. Ouais d'accord, ok. Je l'ai cherché. Je vais plus avoir de drive quand je vais me relever. Non? Ouais. Alors je vais vérifier si le truc est anti-boule. Si le Yoxen est anti-boule. Sauf s'il veut plus faire de boule. Il a jamais voulu faire de boule, tant pis. Alors quand la barre de vie passe en jaune, c'est un indicateur visuel où il y a un effet de gameplay. En fait, je suis pas certain. Là, tu vois, j'ai 3 barres de furie. Quand ma barre passe en jaune, au lieu de marquer niveau 3, ça marque CA pour Critical Art. Je sais pas si j'ai accès à une furie différente, si j'ai plus de vie ou pas. Non, mais il n'y a pas vraiment de tuto à proprement parler dans le jeu. Allez, fais une boule, putain! Mais... je sais pas pourquoi il fait pas de boule. Et moi, je rate ma furie. Allez, level 3, on en parle plus. Beaucoup de changements où c'est comme FIFA, on voit pas la diff. C'est plus du tout le même jeu que Street 5. Hein. Enfin, c'est plus du tout le même jeu, j'exagère évidemment quand je dis ça. Mais il y a énormément de choses qui changent par rapport à Street 5, clairement. Visuel, c'est direct qu'il n'y a pas eu de changement depuis Street Fighter 2. Mais voilà, c'est ce que dirait un profane, évidemment. Mais les vrais pros savent que c'est pas ça, que c'est pas vrai. Quand j'ai un adversaire qui arrive, je peux plus taper. Ok. Salut Jean-François OP. C'est le modèle économique qui te fait peur. On sait pas encore à quelle sauce on va être mangé. Oh, d'accord. Bien faire ses outils. Je sais pas en combien sera la shop. Ah, ça fonctionne. Ah, ça fonctionne. Et ça fait plaisir. Ok. Pour voir Guilty Gear sur cette chaîne et vous avez peur du modèle économique. C'est pas le pire, hein, Guilty Gear. Un des pires jeux de combat récents, enfin récents, de cette dernière décennie, on va dire, avec un modèle économique pourri, c'était Street Fighter Cross Tekken et c'était Capcom qui avait inventé ça. Je saute après. Nice.
Oh merde. Ok, la mort. Les season pass, il y en aura probablement. On est déjà quasiment certain qu'il y aura des DLC sur des jeux. C'est une évidence. Donc oui, des season pass, il y en aura. Hein. Je suis la chaune bleue d'ailleurs, hein, si jamais vous aviez pas. Même moi, je m'embrouille. Oh merde, tu vois. Ah, je suis trop loin pour mettre un Balka, ok. Est-ce que c'est plutôt celui-là qu'il faut faire? C'est super pour sortir du coin, ça. Okay. Ah putain, quand tu prends un punish aussi, ça vide la barre de drive. Putain, c'est quand même balèze, hein. C'est quand même balèze. J'aurais pu confirmer. Oh! Faut vraiment que je cancel par une boule ou quelque chose après ça. Je peux pas me permettre de faire ça en garde. Ah, il y avait Fury encore. Ok. Salut tonton yo-yo. Il y avait Fury encore. Je suis sûr que là, je pouvais faire la Fury level 1 ou quelque chose dans ce style. Parce que ce combo, il est possible dans Street 5. Enfin, peut-être pas exactement ce que j'essayais de faire. Qu'est-ce qui se passe? Les amis, on est bloqué. Alors, a priori, il n'y a pas de sortie des décors pour l'instant. Il n'y a pas de décor interactif. Mais c'est bizarre, c'est la première fois que j'ai 20 secondes. Salut Kiyo, il a rage quit. Putain, c'est vrai. Il a rage quit. Donc, si j'avais un coup qui sortait en 2 frames, je pourrais le faire après. Et j'aurais un combo qui passe. Une Kimberly. J'ai jamais affronté de Kimberly. T'es déjà largué. Il y a toute une leçon sur la frame data, Glorinman, sur YouTube, qui va t'expliquer tout ça encore plus en détail. J'adore l'animation de marche de Kimberly, elle est trop stylée, putain. Elle est trop stylée, cette anime de marche. Oh! En bloc, c'est ça, elle m'a repoussé, j'ai pas vu ce qui s'est passé. Je pensais pas avoir raté le combo. Ou alors, ah, elle avait posé une bombe de peinture peut-être. Merde, ça serait pas prévu. Merde, non! Merde. Oh! Ouh! On tire. Ouais, j'ai pris une bombe de peinture, j'avais pas vu qu'elle était là.
Putain, mais ça veut dire que tu peux punir et te faire punir. En fait, elle fait comme Faust dans Tiger Stripe. Elle pose des objets qui peuvent interrompre les combos. Mais du coup, elle devrait poser des bombes de peinture maintenant. Comment elle fait ça? Faut qu'on essaie de jouer Kimberly après. C'est pas ce que je voulais faire, c'est pas grave. Oh, nice! Ok, il faut en tirer à chaque fois. Ça. Je pense que MK suffit pour en tirer. Waouh, la range! Oh là là. Ah, elle a chopé ça. Oh nice. Oh, je vais bouffer. Oh non. J'étais en overdrive moi aussi, qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Oh sérieux? D'accord. Ah bon? Attends, j'étais encore en stance peut-être. D'accord. Nice. Fallait faire fourrer mon ami. Ok. Salut monsieur Nivan. C'est parti de l'équipe d'athlètes. Ouais, il y a des chances. Elle a l'air fun Kimberly, on va l'essayer après. C'est pas grave. Ça fait des dégâts. Ah mais de toute façon toute la garde hein, fait des dégâts dans la barre de drive. Elle fait office de barre de garde aussi. Non, c'est absolument pas ça. Faire que ça. Elle court comme Naruto, vous avez remarqué? Oh
Ok. C'est une ninja après tout, c'est vrai, c'est vrai. Ok, d'accord, on ne tirera pas avec ça. Oh, ça sort vite, bordel. Je sais pas. Ah bon? Ah putain, j'ai pas le temps de dasher après, je le saurai. Allez, le vrai combo. Le vrai combo. Allez. Sur SF5, les joueurs étaient surtout sur console au début, ouais. Alors là, par exemple, il a rage cheat. C'est ça ? Il a tiré le câble, il a Alt F4, qu'est-ce qui s'est passé? Bon. Sur SF5, au début, les joueurs étaient surtout sur console, mais la commu a pas mal migré sur PC.